Bébé et moi, nous allons vous présenter quelques réflexes. Premier réflexe, réflexe d'agrippement. Le réflexe d'agrippement consiste à, c'est très bien bébé, à voir ce qui se passe quand on met quelque chose dans la main du bébé. Et un bébé de cet âge-là, il agrippe spontanément. C'est le réflexe d'agrippement. Maintenant, si on attrape les membres du bébé et qu'on cherche à l'asseoir, on a un autre réflexe qui s'appelle réflexe de traction des bras. C'est-à-dire qu'au lieu que ses bras restent tendus, ils vont se fléchir, voilà, et sa tête se redresser. Voilà, ça s'appelle réflexe de traction des bras. Alors, quel autre réflexe on peut trouver? Le réflexe de landau. Si on retourne le bébé et qu'on le met sur le ventre, il va s'arc-bouter pour faire l'avion. Mais si on baisse sa tête, ses jambes vont aussi se baisser. Voilà, il se met en flexion. Si on lâche la tête, les jambes remontent. Ça, c'est réflexe de landau. Quel autre réflexe on va pouvoir trouver? Au niveau du pied, il y a quelques réflexes intéressants, comme le réflexe de Babinski. Les doigts de pied se mettent en éventail si on caresse, voilà, le côté externe du pied. C'est-à-dire le bébé, et son pied se met en éventail. Voilà, et il cherche à éviter... Oh là 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 là. Joli pied bébé. Hop. Ça, quand vous voyez ce mouvement vers l'intérieur, ça c'est le réflexe de Babinski. Ça c'est le réflexe de Babinski. Mais ce bébé, il a un très bon réflexe d'agrippement plantaire. Si on met quelque chose sous le pied, c'est comme si on mettait quelque chose dans la main, il cherche à agripper. C'est très bon bébé, ça. C'est un bon bébé. Bien. Le Pérez, on le voit bien, par contre. Si je remonte le long du dos, elle cambre ici, et si on va en haut, voilà, en haut, elle lève ici. Donc le Pérez, ça lève ici.